Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous? On est mercredi 24 juillet et il est 8h20. Alors, on va faire son petit tour dehors comme tout le temps. Donc j'ai pas parlé puisque mon voisin était dehors en train de fumer sa cigarette. Donc je vous ai filmé ma glaïeule. Vous avez vu, c'est une blanche maintenant qui sort. Alors là, je vais partir travailler dans un quart d'heure. Donc j'ai commencé à faire mon fauteuil. Voilà. J'ai commencé à dépendre mon linge. Donc en rentrant, je vais faire mon vaisselier. Je vais tout faire mon vaisselier. Et ouais, non, j'aurai pas le temps parce que je rentre à 11h15. Non, j'aurai pas le temps, je prenne mal four. Donc en rentrant, je vais faire tout mon vaisselier et je vais donner un coup de la bête par terre parce que c'est quand même cracrant. Mais je vais donner juste un coup humide là, vous savez. Et je vais rebrancher mon balai d'or, voir s'il va. S'il va, hop, je donnerai un coup parce que c'est vraiment sale. Franchement, c'est vraiment sale. Donc voilà, j'ai commencé à faire ma petite vaisselle, voilà. Là, c'est mes verres de hier soir, je les ai laissés là puisque je dois faire le vaisselier. J'ai fait un petit mot, je dois recevoir un colis, du coup j'ai fait un petit mot, je vais le mettre à la porte. J'ai préparé mon sac, voilà, parce que je vais changer de sac, parce que mon sac, là, il est tout cassé en fait. Attendez, hop, enfin, il y a encore, enfin, il s'est les ça, là il est tout ch'tagado, là il se craque, là aussi, et là, préparé, enfin, non, préparé, non, il est que 25, j'ai déjà été dans le garage, j'ai descendu le vélo, parce qu'on l'accroche, vous savez, donc je l'ai déjà dépendu, et là je vais déplier mon linge, tiens. Comme ça sera déjà un truc de fait. Alors ça va, c'est la troisième fois que je vais chez les personnes là et ça va. Là, je suis détendue, j'ai bien dormi cette nuit. Franchement, c'est bête que je les ai pas tout le temps ces gens-là parce que la femme, je l'ai pas encore vue, peut-être je la verrai là aujourd'hui. Mais le monsieur, il est d'une gentillesse. En plus, la semaine dernière, je le droit à mon café et tout. C'est trop bien. C'est bête que je l'ai pas. Je vais lui demander tard parce que c'est en fait, c'est une mutuelle, ils ont le droit à un. Donc je vous le dis des fois que si vous avez une mutuelle, vous avez le droit, enfin pour garder votre truc, vous appelez votre mutuelle. Si jamais vous faites opérer ou si vous avez du mal à marcher, enfin des trucs comme ça, vous avez le droit à des heures d'aide en fait d'une personne qui vient faire votre ménage, votre passage, vos carreaux et tout ça. Donc le monsieur m'a dit, moi j'ai le droit, et il le fait tous les ans en fait. Il me dit tous les ans j'appelle et puis il avait le droit à, je sais plus, bon je vais dire une connerie, par exemple il a le droit à 50 heures. À 50 heures, donc il disperse. Ben comme là, je l'ai depuis. Ben ça fait le troisième, le mercredi, 4, un mois en fait. Lorsque j'ai fini chez lui la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes ou quoi, même si vous avez votre conjoint qui est malade ou quoi, appelez votre mutuelle. Vous avez le droit à des gens qui viennent chez vous, même tondre la pelouse, tailler vos haies, faire votre ménage au passage. C'est dommage que je reste pas à côté de chez vous, hein, parce que moi j'aurais venu, hein, vous aurez appelé, vous aurez dit, on veut la société un tel et je veux madame un tel. Voilà, et comme ça, j'aurais mieux chez vous. Mais c'est pas le cas. Vous êtes tous loin, mais tous. Allez, je vais plier mon linge. Allez, mes petits chats, il est 11h30, donc mercredi, hein, voilà, le 24 juillet. Donc ça y est, je vais m'attaquer, je suis rentrée du travail, donc tout s'est bien passé, j'adore aller chez cette personne. Et là, je m'attaque à mon vaisselier, comme prévu. Donc la première étagère, je ne vais pas la faire parce que, allez, oh, ouais. Je vais passer comme ça, je vais plus nettoyer les verrines, puisque les verrines, elles sont fort grasses. Et puis après, ben, je vais aller en descendant. Allez, on y va, let's go! Thank you.
Donc voilà, tous les verres ils sont posés. Enfin, il y a deux étagères là, qui sont posées sur la table. Donc j'ai déjà frotté une étagère. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est les verres Coca parce que ma fille elle travaille au McDo et puis tous les ans ils font des verres Coca. Enfin, là, ils les ont arrêtés, elle m'a dit. Donc moi j'avais aimé ces verres Coca là, du coup elle me les avait offerts en fait. Donc de là, bah écoutez, je nettoie mon évier, je vais faire couler de l'eau chaude avec du produit vaisselle et je vais nettoyer les verres. Donc dans mon eau, j'ai mis une pastille de Javel, comme ça les verres seront bien nettoyés, bien désinfectés, et du produit vaisselle. Mais le produit vaisselle de maintenant, je trouve qu'il mousse plus. Hein. Avant, le produit vaisselle, il moussait, j'adorais ça, moi, plein de mousse et tout. Mais là, pouh, ça, les produits vaisselle, waouh, ça laisse à désirer hein, quand même. Donc voilà, donc je nettoie tous mes verres, je les rince, je les égoutte, mais je les laisse pas vite sécher parce que après quand ça sèche, ça fait des gouttelettes. Donc je les ressuie aussi vite en fait, comme ça je me dis hop, et j'ai fait ça pour tous les verres du vaisselier. Bon, je vous ai pas tout fait voir, mais j'ai tout fait, je suis tranquille parce que même au fond de mon vaisselier, j'ai des assiettes, j'ai des petits cassoliers qu'on dit. Donc j'ai tout nettoyé. Donc là, je chopais mes verrines et hop, dans l'eau. Et puis comme ça, hop. Donc j'avais le téléphone dans une main et je prenais de l'autre main. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de boulot. Mais il n'y a pas au moins le vaisselier qui est fait. Je le fais tous les ans. Je le fais une fois par an. Et hier soir, j'ai disputé un petit peu monsieur. Et il me dit, ah, t'as tout changé le vaisselier? Je dis, bah ouais, j'ai tout nettoyé et tout. Je dis, mais serait peut-être temps que tu me remets la vitre. Hein, parce que monsieur, il vape. Donc l'hiver, bah, pratiquement, les fenêtres sont fermées. Moi, il n'est pas là la journée. J'ouvre un peu le matin, mais il fait froid. Donc on n'essaye pas trop ouvrir les sous-verres parce que bah, pour le chauffage et tout ça. Mais lui, après, il rentre au soir, il vapote. Donc la vapote, c'est quoi? C'est tout du gras, tu vois. Ça se pose sur les verres, en fait. Donc hier, j'ai râlé un petit peu sur monsieur. Je dis, t'abuses, il serait peut-être temps de me remettre la vitre. Donc il m'a dit, oui, je vais la remettre. J'ai dit, bah oui, parce que zut, quoi. Hein? Puis la poussière et tout, j'aurais peut-être moins de poussière qui rentrerait dans le vaisselier. Donc voilà, quoi. Donc j'ai là sur la première étagère, comme je vous ai dit, il y a la clé verrine qu'ils étaient gras, du coup je les ai mis à laver. Et les verres là, je les ai reculés parce que ceux-là, je les ai faits il n'y a pas si longtemps. Parce qu'on a fait des desserts dedans et tout, donc je les ai lavés il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils sont propres. Donc j'ai tout reculé d'un côté, j'ai dépoussiéré d'un côté, j'ai tout remis. Puis j'ai fait l'autre côté, je sais pas si vous allez comprendre le système. Donc voilà, donc vous allez attendre les oiseaux parce que là, ben, on est au petit matin du vendredi, non, du jeudi 25. Il est 8 heures, donc j'ai les petits oiseaux qui chantent. Je me suis levée, j'avais un grand soleil. Et là, le temps devient tout gris. Ben, ils ont prévu de la pluie pour aujourd'hui et ils ont prévu un sale week-end, que de la flotte. Donc voilà, donc vous allez attendre les petits oiseaux, quick, 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 puisque ma porte de salon, elle est ouverte, ma porte-fenêtre, elle est ouverte. Donc allez, on continue. Thank you.
Donc voilà, là je me retrouve en bas, donc il y a des étagères qui ont été lavées, nanana. Là pareil, en fait tous les verres ils ont été lavés. Là j'étais à la dernière étagère, donc là j'étais à quatre pattes par terre, j'avais mal à mes genoux, mes petits chats. Et je remettais en fait, je finissais le banc en fait. Donc voilà. Voilà, ça y est, enfin, alléluia, j'ai tout fini. On se dit à l'année prochaine. Donc voilà, j'ai tout inversé. Les verrines, je les ai mis à l'avant-dernier étage. Donc en bas, c'est tous les gros verres à bière, mes vases et tout ça. Là, c'est mes autres verres. Ben voilà, des verres, hop, 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 hop. Et là, la première étagère, ben, j'ai fait comme ça, j'avais des coupelles blanches et tout. Donc j'ai préféré les mettre comme ça au lieu de les laisser empiler. Donc de là, vaisselier fini. Ma machine était finie. Je pendais mon linge. Et puis elle a une baguette avec moi. Voilà. Donc je suis allée demander quelque chose. Je ne sais plus quoi. C'est débarrasser son déjeuner. Ou, enfin, je ne sais plus. Donc il m'a donné un petit peu un coup de main le matin. Enfin, le matin. Fin de matinée, début d'après-midi. Donc là, il se faisait beau. Hein. Regardez si ses cheveux étaient bien faits. Puisqu'il m'a fait acheter une poudre. Donc je vous l'ai fait voir dans une vidéo. Si vous avez des ados et qu'ils n'ont pas de volume sur leurs cheveux, il existe une poudre. Donc là, Alan, tous les jours, il met de la poudre. Mais là, je lui dis stop. Je dis va laver, tu laveras tes cheveux. Puisque ça faisait trop volumineux. Et puis on voit que le cuir chevelu était ben, sale quoi, donc voilà. Et après, ben, écoutez, il était assez tranquillement dans le fauteuil, il regarde ses vidéos et tout ça quoi. Voilà. Et puis moi, ben, écoutez, je finissais de prendre mon linge tranquillement. Et puis voilà. Il faut que je regarde absolument pour acheter un tankerville parce que celui-là, il est déglingué. Donc voilà, donc mon linge était mis dehors. Et puis là, ben, moi, je continuais. C'est juste parce que moi, quand on va partir en vacances, il faut que ma maison, elle est propre de partout, en fait. Donc là, c'est une vidéo, comment garder sa maison propre, comment s'organiser, se faire une organisation aussi. C'est comme ça, tous les jours, vous savez, tac, 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 le lundi, je dois faire ça, le mardi, je dois faire ça, le mercredi, je dois faire ça, le jeudi, je dois faire ça. Et vous allez voir, si vous faites le ménage, par exemple, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous allez voir qu'il y a des journées, vous allez dire, ah ben en fait, j'ai pas à faire, j'ai juste à rafraîchir, peut-être passer que l'aspirateur, pas besoin de laver, mes poussières sont faites, hop, et vous aurez des journées reposantes en fait. Que laisser cumuler, dire, oh, faut que je fais mon ménage et tout, ça va pas, faut que tous les jours, vous vous motivez avec qui? Avec Nathalie. Vous regardez les vidéos de Nathalie, vous motivez, allez. Nathalie se motive, donc nous aussi. Donc voilà, donc là, on a débarrassé, enfin Alain avait débarrassé sa petite table de déjeuner. Moi, j'avais fait mon linge, j'avais fait mon vaisselier et j'avais que ça à faire. J'avais que ça à faire. J'ai passé l'aspirateur et on va dire quoi, à 13h, j'avais fini. 13h, donc je suis rentrée, il était quoi? Il était 11h15 ou 11h10, puisque c'est à côté de mon travail. À 1h, j'avais fini. Voilà. Et après, je vous dis, c'est un coup d'aspirateur. Et après, ma journée, j'étais tranquille, quoi. J'ai profité du soleil sur ma terrasse, sur mes banquettes. J'étais au téléphone avec des personnes de ma famille. Enfin, ça a été une journée, une après-midi tranquillou, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous faire bien une organisation. S'il faut noter sur un agenda, une to-do list, le lundi je dois faire ça, le mardi je dois faire ça et ça, tu vois. Et tu verras que ton cerveau, il va s'habituer à dire, bah, écoute, tel jour, il faut que tu fais ça. Et ça va être une routine pour vous et vous serez mieux dans vos baskets. Donc là, j'ai allumé mon balai vapeur, j'ai rajouté de l'eau et tout. Et le balai vapeur de Nathalie, il est KO, il ne va plus. Il sortait juste un petit peu de vapeur, mais il n'y a plus d'eau qui. Ben, la vapeur et tout, je suis dégoûtée. Du coup, ben, je l'ai mis devant ma porte. Et du soir, j'étais le mettre dans le garage. Et puis, ben voilà, Nathalie a plus qu'à se racheter un balai vapeur.
que comment bat les vapeurs y aller. Puis j'ai dégainé mon raclot et ma serpillière. Et je l'ai mis dans le seau avec du produit et de l'eau. J'ai bien essoré et je donne un coup humide comme ça partout en fait. Puisque mes sols, je vais les laver correctement le lendemain. Donc là, c'était juste pour rafraîchir mes sols parce que c'était sale. Donc j'ai donné un coup de serpillière vite fait et bien fait comme on dit. Et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment un coup vraiment rapide, plus rapide que ça, je crois que ça n'existe pas. C'est parce que j'avais quelques taches par terre et tout, donc je voulais que, voilà. Mais donc j'avais encore du boulot après, j'avais le linge sur la banquette à ranger. Il y a du linge sur le tabouret, mais ça, ça a repassé en fait. Donc ça, je vais le faire ce week-end, donc c'est pour ça que je le laisse là. Et là, on était vers 15h, donc plus même 16h. Donc, j'ai préparé mes cuisses de poulet. Voilà, je les mets au four. Et ça a duré. Je les ai laissées jusqu'à 19h, 19h30 à feu doux, quoi. Enfin, 150 degrés. Comme ça, hop, c'était bien cuit et bien croustillant. Et j'ai fait cuire mes pommes de terre aussi. Donc, j'ai rajouté un demi-cure-bouillon de légumes. Parce que je faisais une pomme de terre salade haricots verts froid, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai coupé un oignon rouge. Mes haricots verts, je les ai bien rincés. Donc, monsieur, quand il a mangé, il dit « Oh, ils sont trop beaux, les haricots verts !» J'ai baissé en bocaux et il y avait 4 ou 5 trucs. Ils étaient enroulés avec un haricot, en fait. Il m'a dit « Déglingue, pas de fil !» Donc, je vous disais, dans les haricots verts, il n'y a pas de fil parce qu'il y a des haricots verts, des boîtes de haricots verts. Oh, il y a plein de fils. Alors, je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je dis en fil. Donc, mais ceux-là, rien du tout. Et je disais, ils ne sont pas plus chers qu'une autre boîte, quoi. Donc, du coup, je les avais achetés à Carrefour. Donc, je prendrai toujours à Carrefour maintenant. Donc, je mets de l'huile de noix dans ma préparation. Ensuite, je mets du vinaigre à tomates séchées. Et puis, j'ai tout mélangé, sel, poivre, comme d'habitude. Et puis, on est passé à table. Donc, comme d'habitude, j'ai pas fait voir les assiettes. Donc, ça a été pommes de terre en salade avec une cuisse de poulet. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes petits chats, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, soyez motivés pour votre ménage. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Nathalie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de venir en commentaire, mon petit chat. Donc, vous savez maintenant, si je ne vous réponds pas tout de suite, je vous réponds du lendemain. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Nathalie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. On finit la vidéo avec les fleurs. Bisous.